La chasse ne se résume pas au prélèvement d'un animal. C'est un mode de vie ancré au plus profond de nous. La chasse, c'est du partage. C'est vivre des moments de convivialité et c'est aussi vivre une expérience unique qui nous reconnecte et nous immerge dans la nature sauvage. C'est également la possibilité de manger une viande saine, riche en protéines et qui provient du circuit le plus court qui soit. Alors, saisissons cette chance. La chasse en France est belle, préservons-la en la pratiquant. Soucieux de la qualité de la viande que je mange et que je fais consommer à mes proches, j'ai décidé de passer à une munition sans plomb. Contrairement à une munition rayée classique, l'absence de fragmentation évite une possible migration du plomb dans la venaison lors de l'impact. En tant que chasseur, je me dois d'effectuer un tir le plus proprement possible. Et pour cela, je dois avoir une totale confiance en mon arme, mon optique et ma munition. Si je sors à l'approche souvent seul, mes frères m'accompagnent sur quelques sorties durant la saison. Ce sont des moments privilégiés entre nous qui nous laissent à chaque sortie des souvenirs inoubliables. L'approche, c'est l'une des chasses que je pratique le plus. Cela nécessite de connaître son territoire, de prendre en compte les conditions météo et de mettre en place des stratégies pour espérer croiser le regard des animaux. Tous ces facteurs font ressortir mon instinct de prédateur. Lorsque je pars chasser, l'excitation est toujours présente. J'oublie mon quotidien et j'ai le sentiment de me reconnecter à la nature. Bref, je me sens bien. J'aime retrouver les odeurs de sous-bois, sentir la fraîcheur de la végétation, apprécier la beauté des paysages qui s'offrent à moi. Je ne suis plus dans mon confort, je ne suis plus dans ce monde façonné par l'homme. J'entre dans la nature. La vraie nature. Celui-ci.
balle juste derrière, derrière l'épaule, balle de cœur. Il a fait un bond. Je pense qu'on va voir dans l'image. Et du coup, il nous a foncé dessus. Et après, il tombe là, ici. Il a dû faire 40 mètres max, je pense. Bon, content parce que c'était pas simple en cette période. C'est top. C'est magnifique, là il fait beau en plus. La nuit se couche assez rapidement, donc il faut aller vite. Là on est juste au coucher du soleil quasiment. Quelle chasse incroyable, c'est dingue. Et c'est là où je suis super content parce que plus je chasse à l'approche et plus j'aime ça. Le chevreuil est un animal magnifique. Oh, je suis content. Ce qu'on va faire du coup, on va attendre encore 5 minutes là dans ce silence. Et je vais aller le baguer, on va lui rendre les honneurs, je vais le remonter je pense parce qu'il commence à faire nuit, on va aller faire ça à la voiture. Je vais le remonter et puis je vais lui rendre les honneurs, on va faire des photos et puis je vais le dépecer. Pour moi, chasser, c'est aller au bout de la démarche. Je consomme ce que je chasse. J'observe, je tue, je prépare et je cuisine.